Atreus, la tête. Tiens-toi prêt. Oh, oui. Je l'ai. J'espère que tu vas pas exploser ou un truc comme ça. Oh, je n'avais pas pensé à ça. On devrait peut-être s'arrêter pour en discuter. Non, ça va bien se passer. Prêt ? Oh, c'est très désagréable ! Maintenant, Atreus ! J'ai quelque chose à dire avant qu'on continue. La dernière chose dont vous aurez besoin, c'est d'une tête en décomposition dans vos pattes. Je ferai mieux de vous attendre ici. Ça ne concerne que le petit et toi. C'est vrai. Mais si quelqu'un venait à te trouver... Oh, bah les 12 fesses de Lady Sif! Vous avez réussi! Désolé. Il fallait qu'on voie ça. Oh, non, 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 non. Oh, ça va, c'est bon, d'accord. Surveillez-le jusqu'à ce qu'on revienne. Je peux le faire. Non, non, je peux pas. Oh. D'accord. Prêt. Viens. Regarde, on est sur les doigts du géant. Le plus haut sommet est juste devant. Je le vois. On a réussi. Oui, mon garçon. Qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai plus de raison de me cacher. On peut y aller. On est tout prêt. Atreus. De là.
Atreus. C'est rien. Je pensais que j'aurais entendu des voix. Eh oh ! Y'a quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ils ont dû passer par ici quand ils ont quitté Midgard, les derniers des géants. Pourquoi avoir sculpté tous ces visages ? Ça représente peut-être tous les géants qui ont réussi à fuir Midgard. Il y en a pas beaucoup. Odin et Thor, les rois de la destruction. Où sont-ils maintenant ? Les géants sont rentrés chez eux pour survivre. Mais je suis pas sûr qu'ils aient réussi. Qui est ce gardien ? Je devrais sentir leur présence, mais je sens rien. Cet endroit est mort. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Pourquoi maman nous a envoyés ici ? Aussitôt qu'on répond à une question, deux autres la remplacent. C'est ta hache. Et maman. Regarde. Elle se dispute avec un groupe de géants. Elle connaissait les géants ? C'est nous. La première fois qu'on a vu le serpent monde. Et pourquoi ? Et notre combat avec Baldur. Mais ça vient juste d'arriver. Attends. Ils savaient tout ce qui allait se passer. Le dragon de la montagne, le maçon de pierre, tous ses dessins. C'est notre histoire. Non. C'est ton histoire. Mais... qu'est-ce que ça veut dire ? Que je n'étais pas le seul à avoir un secret. Tu ne savais pas. C'était une géante. Je suis un géant. Pourquoi ne nous a-t-elle rien dit ? Elle nous a envoyés ici en sachant ce que nous allions trouver. Mais... pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité ? Ta mère avait sûrement ses raisons. Baldur n'était pas venu pour moi. C'est elle qu'il cherchait depuis le début. Mais il ignorait qu'elle était morte. Si c'est ce qu'elle voulait qu'on fasse, je lui fais confiance. Quoi qu'il arrive. Et puis... elle s'est pas trompée pour l'instant. Viens !
C'est presque fini maintenant. Oui. C'est presque fini. Regarde, c'est celle de mère. Elle est venue ici. Elle a fait chacun de nos pas avant nous. Comme si elle était à nos côtés. Veiller sur nous. Et nous ramener à la maison. Finissons-en. Non. Faisons-le ensemble. Mon fils. Je t'aime, maman. Ces géants, ils ont vraiment tous disparu. Y a rien pour nous ici. Viens. Donc, si maman était une géante, je suis à la fois un géant et un dieu. Et un mortel. Oui. Y a quand même une chose que je comprends pas. Mon nom sur le mur. Les géants m'appelaient... Loki. Loki. C'est le nom que ta mère voulait te donner quand tu es né. Elle t'appelait comme ça auprès des siens. Pourquoi ? Assez de questions pour aujourd'hui. Rentrons à la maison.
de ça. Mieux maintenant. Pourquoi elle voulait qu'on l'amène ici? Pour être avec les siens. Mais tu crois qu'elle savait ce qu'on allait trouver? C'est ça qu'elle voulait nous montrer? Est-ce qu'elle voulait qu'on prévienne les gens ou qu'on garde le secret? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je te laisse décider. Oh. Tu tenais à m'appeler Atreus. C'était pas le nom d'un dieu, ça c'est sûr. Non. C'était un soldat. Un spartiate. Un grand guerrier? Tous les spartiates sont de grands guerriers. On nous entraîne dès la naissance. Nous ne connaissons que la discipline, le devoir, le combat et la mort. La vie était dure. Alors nous étions durs, nous aussi. Mais Atreus de Sparte était différent de nous. Il ne cessait jamais de sourire. Même dans les pires moments, il était heureux. Il nous poussait à croire que même si nous étions des machines de guerre, il restait une part d'humanité en nous, de bonté. Le jour où il perdit la vie au combat, son sacrifice sauva un nombre incalculable de vies et nous permit de reprendre l'avantage. Je l'ai porté jusque chez lui sur son bouclier et enterré dans les honneurs de la tradition spartiate. Son souvenir me réconfortait pendant les heures sombres. Wow, ton histoire était incroyable, mais Mimir l'a raté. Que tu veuilles rentrer à la maison. Mais je suis sûre qu'il y a encore des Valkyries qui attendent d'être libérées. Et d'autres personnes qui ont besoin d'aide. C'est peut-être pour aider les gens que maman nous a envoyés ici. Voyons. Que ferait Atreus de Sparte? Et que ferait Loki? C'est un drôle de nom. Je suis content que vous ayez choisi le tien. Je suis bien content de vous voir. Je crois que j'arrive à saturation avec ces nains. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris un nombre de mesures excessif et entrepris de se quereller sur le temps qu'il fait. Où veux-tu qu'on t'emmène? Pourquoi pas aux confins reculés de n'importe où ailleurs?